Il y a aussi d'autres manières de générer qui s'appellent, par exemple, il y a cage.noteRandom qui prend des notes au hasard dans une certaine échelle ou dans un certain réservoir. Ce que vous voulez, vous pouvez mettre même tout. En tout cas, vous donnez le réservoir et vous prenez des notes au hasard. Ok? Ou bien, si vous, bon, vous pouvez faire ça avec des poids, je ne vous ai pas parlé de ça, mais vous avez un outil qui s'appelle Cage Weight Builder qui vous aide à construire des poids, par exemple. Ici, je pense que les poids sont de façon telle qu'on a plutôt des notes vers le 4800 et moins des notes vers l'aigu. C'est un front Pareto, c'est une distribution Pareto des poids. Effectivement, vous voyez que j'ai beaucoup plus de notes dans le grave et très peu de notes dans les aigus. Mais idéalement, vous pouvez construire les poids comme vous voulez. Okay. Vous avez des attributs en plus, mais c'est pas grave.